sang que Jésus t'est versé. Pour moi-même, à ce moment-là, tu es capable de vivre la vie éternelle. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, au nom du sang versé de Jésus, à un moment ça, personne ne va approcher nous devant. Pour nous songer le sacrifice de la croix, le sacrifice du calvaire, qui va nous accès au trône de la grâce dans un moment ça, qui va nous force jour après jour. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À un moment ça, Seigneur, il y en a nous, Seigneur Dieu, qui n'a pas fond, valée, Seigneur, qui sans ça capable d'arriver, trouver nous dans la vallée qui est fond. Il y en a nous, Seigneur, qui n'a une saison de victoire, qui sous tête mentale, là, qui sans ça également capable d'arriver, toucher, bon Dieu, pour qu'il y ait nous dans la victoire. Merci pour tout ça qui est en fait, service là, pour toute louange et adoration, pour toute gloire et honneur qui monte à vous-même. Seigneur, nous avons mettre le service à nous-mêmes. Nous entendons une parole qui est capable de changer la vie et qui est capable, Seigneur, de faire nous marcher de victoire en victoire. Voilà, nous continuons à lever toute membre de l'Église de nous-mêmes, couvrir en bas sans ça. Que sans ça capable d'un edge of protection pour eux-mêmes, Seigneur, avec toute famille. C'est une promesse qu'on fait. Et fais-nous grâce. Fais-nous grâce chaque jour, jour après jour. Seigneur, nous demandons repentance pour chacun de nous. Si tu as dans le cœur de bagaille qui n'est pas bon, continue sur la voie de l'éternité. Levez le monde entier devant à un moment ça. Qui a frappé, Seigneur, par leur fléau. Seigneur, que le monde est capable de venir à la repentance et est capable de faire une grâce dans la mer. Fais grâce, ou qu'on fait grâce, ou toujours fais grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous prions, Seigneur, par la qualité de monde qui est bon, qui dit, et nous prions, Seigneur, dans notre petite Jésus, qui vit. Et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Sans ça arriver dans la montagne qui est plus haut, descendre dans la vallée qui est plus fond. Sans ça, il va nous force jour après jour. Il n'a jamais perdu puissance. Praise le Lord. Gloire à Jésus. Faisez ça dans le Seigneur. La paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous saluons tous les membres de cette église, Harvest for Christ, qui est localisée à Deerfield Beach, Florida. Et également à toutes les frères et sœurs, tous les abonnés de plateforme sociale, qui toujours suivent nous et qui toujours écrivent nous, qui relaient nous. Nous, bâillons de gloire pour ça. Donc, à ce soir, je dis encore ce matin, dans l'heure que vous apprécierez nous, la prière à ce que bon Dieu utilise nous encore pour nous capables de prêcher le message de la parole, bon Dieu, capable de changer le cœur. Donc, c'est comme ça que nous allons demander pour capable ouvrir les vous avec nous dans Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 31. C'est là que nous avons un message nous qui titré Jésus marche sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. À nous lire comme ça vous-même. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui à l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi pour te rencontrer sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Que mon Dieu n'a aboli capable de bénir portion écriture ça pour l'édification commune de nos âmes. Dans le passage que nous sommes lire, nous voyons, il y a l'autre miracle que Jésus fait pour augmenter la foi des disciples. Il y a l'autre moyen pour nous voir que Jésus a un pouvoir sur la nature. Quand il marchait sur les eaux. Il y a une leçon pour nous apprendre dans ce miracle-là. Tout ça qui défiait la science, tout ça qui défiait la nature, nous relève les miracles-là. Parce que nous connaissons que la pesanteur, loi de la pesanteur, loi de la gravité, selon Newton, les dinos, la pesanteur est une force qui attire tous les corps vers le centre de la Terre. La pesanteur, tout ça qui gagne masse, la dernière, eh bien, les contendances pour le dessin. Et liquide, toutes sont déposées sur l'île, et puis les gagnants ont poids, la coulée descend. Mais nous voyons Jésus lui-même qui marchait sous l'eau. Et c'est ça qui te rend que les disciples sont effrayés, parce que pas qu'on voit des bagailles comme ça. Qui te dit, tout ça qui est impossible avec la nature, est possible à mon Dieu. Alléluia. Mais commencement! Texte ça fait nous croire que Jésus te renvoyé foule là et renvoyé disciples pour le capable de seul. Il t'a fait une baille à 5000 monde manger avec 7 petits pains, 2 petits poissons, vendu bien plein, les voyaient aller. Et disciples, tu as gagné pour traverser et pour y aller à Capernaum. Il te dit, oh, monsieur, vous connaissez que nous connaissons la mer. Ce sont des professionnels de la mer que nous y sommes. Allez devant. Moi-même, moi besoin de petit temps à part avec bon Dieu. Maintenant. Nous relaissons une intimité avec God. Un temps personnel. Un temps intime avec bon Dieu. Oh, il y a des moments pour mon Dieu parler ensemble avec vous, vous avez besoin de chercher un temps pour causer ensemble avec vous. Il y a des choses que mon Dieu a besoin de dire, c'est pour quoi vous pouvez. Alléluia. Nous-mêmes qui sommes foule, en pile fois, nous présenter l'église, ce n'est pas grand, pile monde. Nous estimons présent mon Dieu parle. Mais qui t'aime dire qu'il y a de foi? Pourtant, c'est vraiment la face de Dieu, la voix de Dieu, révélation de Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir tout le monde aller. Vous n'avez pas besoin de voir tout souci aller, tout bruit aller, pour chercher une place intime, secrète, pour entendre la voix de Dieu. C'est ça Jésus t'a fait. Côté que il était là seul. Et dans l'expérience, la Bible montre nous, toutefois, mon Dieu voulait parler ensemble avec un monde, il est toujours parlé avec le seul. Il était parlé avec Adam seul.
dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Là que l'étape dit, mes instructions que m'bao. M'bao pouvoir pour manger sur tout ça que m'créé yo. Mais arbre qui dans mi-temps jardin, il est défendu. Il était parlé là ça avec Adam seul. Il parlait ensemble avec Noé. N'ayons intimité. Pour continuer, d'après Genèse chapitre 8, verset 15, elle t'a parlé l'instruction de question lâche là. Il parlait avec Abraham pour continuer dans l'intimité. Seul, dans Genèse chapitre 17, verset 3, lorsqu'elle t'a dit que la fête est une grande nation, c'est lui d'accord pour les quitter. Pays pour aller côté bon Dieu, voyez. Il parlait avec Moïse seul dans l'intimité. Dans Exode 33, verset 11, l'on a parlé de mission pour délivrer le peuple. Il parlait avec Esaïe dans l'intimité. D'après Esaïe chapitre 8, verset 11. Autant de fois, après qu'il parlait avec Samuel, il parlait avec Élie, il parlait ensemble avec tout frère, tout disciple, il parle avec eux seul. Même ensemble avec eux. Qui dernière fois nous te cherchons une place à part pour nous causer ensemble avec le Seigneur, pour nous capables de tendre voile, pasteur, prédicateur, évangéliste. Qui dernière fois vous te faites un jeûne pour nous. Qui dernière fois vous te voyez foule là, vous te voyez crowd là, vous te voyez comité là, vous te voyez leader là, vous te voyez famille là, pour entrer en consécration sous genoux pour prier le Seigneur. Parce que des révélations, bon Dieu veut barou, c'est vous-même ensemble avec. Ou même qui besoin monter dans l'autre niveau. Ou même qui besoin d'entendre la présence, la voix de Dieu. Ou quoi le besoin chercher en temps. Ou même avec lui pour prier le Seigneur. Et c'est le ça. C'est le ça seulement. Vous capable de joindre le cœur de Dieu. C'est le ça vous capable de connaître le secret de Dieu gagné. Et il n'y a pas de cacher rien. Il est le temps pour moi-même avec vous. Cherchez bon Dieu personnellement dans le temps secret, dans un lieu secret, dans la gloire de Dieu. Et ça fait le dit dans Matthieu, vous avez besoin, fermez pas tout, entrez dans la chambre pour chercher lui en intimité. Vous avez besoin de faire ça. Et ça fait le voyez, monsieur, parce qu'il connaît qui miracle qu'il n'a pas besoin de faire, ou pas qu'à faire miracle. Ou pas qu'à faire grand prodige, sous pas arrêter dans la prière, sous pas arrêter dans la consécration. Et nous, ouais, vraiment, disciples, t'es allé, yo t'es arrivé dans la route, et yo t'es gagné un gros trouble dans la vie. Yo. Ça fait me sentir, chaque fois que nous prenons route là, pourquoi nous? Sans Jésus, ciel nous a voilé. Sans Jésus, problème yo, a croisé nous dans la route. Spécialement là nous faire place sans Jésus. Disciples t'as essayé avec professionnalisme, avec expérience pour y être traversé, mais vous pas capable de traverser pour quand Dieu. Vous êtes arrivé là où Dieu t'es bloqué. Et la Bible dit moi que Pâques là au milieu de la mer était battu par les flots car le vent était contraire. Il est allé au nord, vent lui-même pour aller au sud. Là, il y a un coup de rame, il y a une vague qui poste au tunnel. Parfois, dans la vie, nous arrivons. Là, essayez de faire un effort, il y a un problème qui vient, qui pousse au tunnel. Vous sentez la vie à pousser derrière pendant que vous voulez prendre une direction, avancer. Mais il y a un bagage qui passe. Malgré Jésus, pas physiquement ensemble avec vous, mais Dieu, bon Dieu, te voyez dans le problème. Alléluia. Ça rappelle nous, verset qui dit nous, Dieu l'éternel, toujours sur votre côté. Dieu, bon Dieu, pas jamais laissez vous. Comme nous connaissons ça. Dieu l'éternel, toujours sur mon cap servi. 1 Pierre chapitre 3, verset 12.
Il faut reconnaître que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ou même que bon Dieu racheté, l'irélé au juste, les justifié, les sauvé. Alléluia. Quand les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Monsieur est certain, là, monsieur, ouais, au bloqué. Dans lequel on dit Jésus sauvé. Jésus connaît sous tes là où tu as fait un bagage pour nous quand même. Où tu as dit va, fais silence parce qu'on fait déjà. Nous pensons que nous sommes capables de nous. Mais nous sentons nous bloqués. Et Jésus, quand il t'a prié, puisque l'omniscient, c'est bon Dieu, il compte toute bagaille. Oh, il t'a volé à secours, monsieur. Et ça, moi-même, la bon Dieu, il a volé à secours, nous. Il n'a pas besoin d'avion. Alléluia! Il n'a pas besoin d'hélicoptère. Alléluia! Il n'a pas besoin chaloupe. Il n'a pas besoin de bateau de croisière, parce que c'est lui-même qui crée la nature. C'est lui-même qui a le pouvoir sur la nature. De la parole de sa bouche, il a tout créé. Il seulement marcher sous l'eau pour l'aller. Alléluia. Et ça, vous voulez comprendre, dans le problème que les disciples ont été, peut-être si c'est un hélicoptère que tu as pris, ou bien si c'était un chaloupe. Même j'avais ou même il t'apprend, il était capable d'arriver à l'heure et nous connaît bon Dieu dans l'amour. Il dit que il pas jamais en retard, il n'est pas jamais absent. Dans le speed que vous arrivez à, il est obligé. Alléluia. Lui-même, fly. Il est obligé. Lui-même, just show up. Et l'aide d'apparaître. Alléluia. Disciple, qui pas jamais ouais. Bagaille comme ça fait. Il était pensé. C'est un fantôme. Je t'ai pensé son esprit. Et je t'ai peur. Je t'ai effrayé. Comme elle a nos pères, le diable. Parce que dans nos situations qui sont incontrôlables, et vous réalisez, il fait noir. Parce que vous dites, la nuit, t'as pas prêché. La veille de la nuit, tempête venue. Et l'aile fait noir ou pas qu'à web clair. L'aile fait noir ou pas ouais. Bien. Et fait noir, il crée la peur. Et lorsque il y a la peur fait dissiper la foi. La foi, il te descend. Et il te peur, il te crie. Et ça me remet dans le texte là. Lorsque Jésus a eu peur, il élevé la voix. Oh, l'élever la voix pour rassurer eux. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Combien nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu? Il faut avoir des oreilles pour capables d'entendre. Oh, yes. L'élever peur. L'élever la voix. La voix de Dieu. Les rassurer nous. La voix de Dieu nous rassure. Mais il faut capable d'entendre. Là, il est là, que Pierre lui-même, que nous connaissons, qui toujours devant la bonne. À chaque instant, nous connaissons l'intervention. Pierre toujours prêt pour les capables de jump in. C'est un homme courageux. Pour capable faire expérience avec le bon Dieu, ou besoin de braveté, courage et foi. Là, il est que c'est Jésus qui parlait, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si ça lui-même, regardez dans les bruits, dans le sens que vous voyez, il dit que, nous t'en devons, et puisque vous connaissez vous-même, parce que son gel de dit, prébis à connaître, berger à, il est en train de laisser Jésus, dans le niveau, ça n'a pas de doute du tout. Puisque c'est vous-même qui parlez, eh bien, moi, pas qu'à retard. Oh, moi, impatient. Moi, pas qu'à retchita, même j'en suis avec tout l'autre. Yo. Ma marche contre vous. Alléluia. L'entendez la voix de Dieu. Oh, vous venez, gagnez un empressement pour approcher au plus près de lui-même. Pierre te fait la différence. Pierre pas traité dans le bout là.
Pierre pas traité dans la situation qui veut couler là. Pierre pas traité dans la situation qui veut finir ensemble avec là. Pierre pas traité dans la situation statu quo ça. Qui déjà une situation négative qui va lui en pile stress, en pile froid, en pile l'anneau. Depuis nos fêtes, nous avons grandi dans une situation qui est difficile, une situation qui bouleverse la vie, une situation qui fait nous honte, une situation qui fait nous triste. Malgré que nous tendons la voix de Dieu, nous voulons rester dans la même situation. Chita, rester là pendant 7 ans. Jésus lui-même a logé la main à nous-mêmes. Jésus. Banon, invitation. Jésus a approché pour côté nous. Mais nous avons un effort pour nous faire, pour nous capables de sortir dans le bout là. Comme nous voulons sortir dans le bout côté nous. Je ne sais pas qui est un bout pour aujourd'hui. Mais dans le bout côté nous, dans le bas côté nous, la Bible dit que il était plein de l'eau. Il y a eu toute l'eau qui est entrée là-dedans. Qui t'a coulé, qui t'a fait sec, qui t'a plongé des sangs. Pierre dit non, c'est dans des voies, Seigneur. Oh, place-moi pas là encore. Place-moi pas dans ce problème, dans le niveau, dans la place qui sont problème pour moi. Dans la place qui est un challenge pour moi. Qu'elle quitte là pour m'aller jouer, Seigneur. Alléluia. Ou même à quitter des paroles de Dieu chaque jour. Qui voulait faire un pas. C'est le jour du salut. Parce que Jésus. Pour invitation. Il te dit, Pierre, venez. 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 Et Pierre dit, par la foi. Vous imaginez, humainement parlant, vous avez retiré le corps d'un bateau. En dépit de tout, vous êtes capable de dire, mon cher préféré que moi dans le bateau, parce que vous connaissez les sous de l'eau. Même si moitié là-dedans presque coulé, mais à retirer et mettre le sous de l'eau, ça, comment m'a fait. C'est ça la foi. Oh! Pour servir mon Dieu, il faut que la foi. Là, c'est Jésus qui relève. Ou mettez la vie en amen. Alléluia. Oh, pas l'île sous understanding power. Sous raisonnement humain power. Et c'est ça qui est le problème pour le chrétien. Il a besoin de comprendre toute bagaille. Il a voulu voir toute bagaille claire. Avant qu'il ait fait un step de foi. Non, l'observer mon Dieu, c'est pour Dieu ça là et toute confiance dans le Seigneur. Dans le Proverbe 3, verset 7, ensemble avec 6. Confie-toi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée à le Seigneur. C'est ça que Pierre fait. Il n'a pas besoin de connaître. Si vous ne pas de marcher sous de l'eau avant, il va bien se connaître la loi de la pesanteur. Mais il connaît, si Jésus dit, lui, venez, Jésus est capable de faire arriver. Alléluia. Ou même, quitte à des paroles, bon Dieu, si Jésus est là, soit le relais pour une mission, soit le relais pour un ministère, soit le relais pour barrer la vie à lui-même, ou même faire confiance, la traverser la vie avec vous, et la part où la vie éternelle, comme il promet. Alléluia. Et Pierre, de faire Jésus confiance. La Bible dit moi que Pierre fait un premier pas de foi et il te quitte les yeux sur Jésus. Ça fait un abdou, quitte les yeux sur Jésus. Quitte les yeux sur Jésus. Qui bas yeux je dis à si je suis sur Jésus, où va arriver? Et nous, Jésus invite Pierre, nous relaissons extension du pouvoir. C'est ça moi maintenant Jésus. Pour voir que le gagnant n'est pas que belle police seulement. Lui extend l'autorité que le gagnant. Quand il te dit tout pouvoir m'a été donné. Lui prend pouvoir ça. Lui cherche avec tout le monde qui voulait utiliser le pouvoir ça. Puisque Pierre a marché. Son pouvoir sur la nature. Son pouvoir sur le sous l'eau. Son pouvoir sur les forces contraires. Son pouvoir. Eh bien, il dit, moi, je voulais faire expérience pour voir ça que vous gagnez. Comment nous voulons faire expérience pour voir mon Dieu? Eh bien, c'est pour là que nous amène. Marcher sous de l'eau. De l'eau a représenté difficulté, problème. Parce que c'est le tabayo. Hedek qui tabayo. Qui t'a troublé. Jésus montre qu'on peut marcher sous problème. Alléluia.
Jésus montre que ça qui est une difficulté pour vous, ça qui vient pour lui la vie, la maladie, persécution, angoisse, vous capable de marcher sur lui. Oh yes, il y a un pouvoir, il y a un bon pouvoir pour marcher sur lui. Bon, mais bon Dieu, parce que lui sont généreux, les larges, les gros cœurs compatissants, les vlés, bah nous ça que lui-même les gagne. Alléluia. Et ça fait nous dans Luc chapitre 10, ça. Les faut connaître, les bas au pouvoir pour marcher sur leur saut, les bas au pouvoir pour marcher sur la spica. Elle dit, aïe, pas de mieux. Alléluia. Je vous ai donné pouvoir de marcher sur leur saut, sur la spica. Tout ça qui est capable de leur saut, leur aspica, leur problème pour la vie. Luc chapitre 10, verset 19. Et rien ne pourra vous nuire. Combien nous voulons pouvoir ça? Combien nous voulons gagner pouvoir que le Seigneur lui-même lui baille? Il dit, il n'y a pas de nuire. Et voilà que vous gagnez une situation qui a de nuire. Pierre était contre parole là. Elle était fait bon Dieu confiance. N'a pas dit, Pierre était là, la ville dans mes Jésus. C'est ça le fait, oui. Il dit, bon, puisque je suis allé voir, ma blague est vie, moi, dans mer. Et je connais ou pas qui t'a mené. Alléluia. Combien nous sommes capables de faire bon Dieu confiance avec vous? Combien nous sommes capables de faire bon Dieu confiance avec bien? Combien nous sommes capables de faire bon Dieu confiance avec tout ça qu'on gagne? La gueule là, mais le Seigneur, il va faire un bagage extraordinaire. Et nous avons que Pierre a commencé à marcher. Parce qu'elle a fait bon Dieu confiance. La Bible dit Pierre a commencé à marcher sous problème. Là. Il a commencé à marcher sous défi. Là. Il a commencé à marcher sous challenge. Là. Même si Jésus marchait sur lui, il a commencé à marcher jusqu'à ce que il ait tiré les yeux sur Jésus. Il a retourné les yeux sous gloire qui représentait le problème. Et la Bible dit moi, automatiquement, il fait ça. Il a commencé à plonger. Son leçon pour nous-mêmes pour le prendre jeudi. Ce qui est Dieu hier jeudi. Est-ce que vous mettez Dieu sous Jésus qui gagne tout pouvoir, qui est capable de faire toute bagarre? Ou bien vous mettez Dieu sous problème là? Vous mettez Dieu sous Jésus, vous venez d'un coup qui campé sur une tête, caille, 7 étages. Ou bien qui monte sous une tête morne, qui a gardé en bas. Vous regardez tout petit ça en bas, vous êtes un grasshopper, vous êtes un petit fourmi. C'est ça le problème. Vous avez quitté les yeux sur Jésus, vous gardez le problème en bas, vous dominez les et vous venez tout petit devant. Mais lorsque vous retirez les yeux sur Jésus, vous voyez les yeux sur le problème, vous venez faire bon Dieu noir, vous venez tout petit et puis le problème vient bloquer les yeux. Même avec l'orgueil, vous croyez. Plus vous approchez dans l'antisio, les bouchez les yeux nets, ou pas qu'à ouer, grosser l'univers là. Parce que les bloquez les yeux nets, pendant que c'est un bon Dieu, c'est grosser l'univers là. Si vous poussez 50 centimes ça loin de vous-même, ou après toute superficie, l'univers entier, vous chantez, vous dites, Dieu tout puissant, comme mon cœur considère, tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. C'est là qu'on voir grandeur, mon Dieu. Ou pousser pour l'avenir loin des yeux. Pour qu'on voir grandeur, mon Dieu. Pour qu'on voir l'univers que mon Dieu a créé. S'il créé, il y a un pouvoir sur eux. S'il créé, il y a un commandé. Quel que soit ça qui est un problème pour eux, il fait partie de domination, mon Dieu. Sont capables de mettre confiance en lui-même, le problème n'est capable de réduire au néant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, pas de problème pour le faire, Pierre fait expérience ça. Jésus, c'est un homme de progrès. Il a même progrès. Il te dit à disciples, non seulement papa nous pouvoir pour nous faire ça, nous te fait, mais nous capables de faire événement. Moi, maman, c'est ma veille. Cap servir bon Dieu. En nous là pour progrès. Là, nous gagnons un serviteur qui servir dans ma veille. Encouragez-le pour être capable de grandir. Encouragez-le pour être capable, même devant ça, depuis ses volontés, bon Dieu. Parce que c'est ça qui est le progrès.
Je dis à vous-même qui c'est leader, faites un legacy. Essayez, faites que les gens qui sont en bas là, encouragez-les pour les capables, excellents. Et c'est le faux pour bon Dieu servir avec lui. Maintenant, au gré de monsieur, c'est pour avancement, travail là. Fais leader, reste des leaders, reste des leaders, afin que lorsque il veut pour aller pour que tu travailles là, pas mourir même j'ai avec vous-même, vous capable d'arriver là pour aller, mais travail là de continuer. Alléluia. On va dans nos croix ça, je dis là, prise l'or. Et parce que Pierre, t'es retiré Jésus sous Jésus pour un moment, nous voyons qu'il était fait fond. Oh, ça fait me comprendre. Ou même qu'à marcher ensemble avec le Seigneur. Pas quitter un canal industriel. Pas quitter Dieu sous problème là. Pas quitter Dieu sous challenge là. Oh, maladie est capable de venir, c'est vrai. Mais quitter Dieu sous la Bible. Pas mettre Dieu sous cancer là. Pas mettre Dieu sous difficulté là. Pas garder statistiques yo. Pour dire tout le monde qui fait maladie ça, il a toujours mouru. Tout le monde qui fait maladie ça, il n'a pas jamais guéri. Et vous commencez peur. Il laisse un bon Dieu pas capable de guérir. C'est pour dire, je n'ai pas besoin de connaître combien de monde maladie ça a tué déjà. Mais moi-même, je fais bon Dieu confiance. Moi-même, je mets les yeux sur mon Dieu. Moi-même, je crois dans la parole de mon Dieu. Je plague toute vie dans le Seigneur. Parce que je connais même. Il peut turn things around. Il peut changer le temps. Il peut changer les circonstances. Il peut dire vent fait silence. Il peut dire dry bones. Retourner à la vie. Je fais mon Dieu confiance. Et c'est là ça, bon Dieu, qui a commencé par un témoignage vivant. Alléluia. Comme dans nos points, ça je dis. C'est pour que la foi. Sans la foi, on est capable de servir mon Dieu. Quitter les yeux sur mon Dieu. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est auteur et finisher of all things. Il a travaillé, il a commencé dans la vie. Il est capable de continuer. Alléluia. Les conditions pour marcher sous l'eau, c'est pour premièrement les yeux sous Jésus. C'est pour la foi, pour marcher en ce moment. Et c'est pour gagner humilité. Pour connaître, c'est lui-même qui a fait. C'est lui-même qui a glorifié. C'est lui-même qui a bon témoignage là. Parce que pour marcher sur un l'eau, c'est un lot. Victoire qui est liée sur la nature. Vous n'avez pas qu'à gonfler. Vous n'avez pas qu'à orgueil. Parce que orgueil là qui ça le fait le fort loup. C'est ça orgueil fait. Orgueil fait heavy. Tout le monde qui a orgueil qui pourrait. Vous n'avez pas qu'à marcher sous l'eau. Ou trois loups. Vous faites pour gagner humilité, vous faites pour léger, pour quitter bon Dieu, retirer gros nègre là dans vous-même, retirer arrogance dans vous-même, et pour connaître lui-même qui est fort, qui choye. Alléluia. Car il dit dans le Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine. Tout le monde qui est arrogant connaît qu'il est devant le voile tombé. Et dans le même verset, il dit l'orgueil précède la chute. Depuis que vous avez orgueil, eh bien, vous tout tombé. Vous rappelez-nous l'histoire de un crapaud qui était bloqué dans un marécage. Et puis, il y a un gros oiseau, un aigle qui a passé, qui est un crapaud qui est bloqué. Et puis, il dit je ne suis pas capable de sortir dans la circonstance. Et puis, Frog l'a dit, Hakon, il dit, fais ça que je dois faire. Il prend un stick, un bâton, un gol, il longe. Et puis, il dit, je vais kembel avec griffe, avec zone pied mieux. Et puis, vous-même, modèle, kembel ensemble avec bouchon. Automatiquement, je vais voler, nous tout aller. Effectivement, il obéit vraiment, et je vais voler ensemble avec lui. Et la violence ma belle, il y a fly. Oh, il y a fly. Et on commence à faire de très bons voyages dans l'air.
Et puis pendant qu'il y a fly, il y a suspendu dans l'air. Et puis, dans la même histoire, ça a dit nous que conseil de monde qui était en bas, qui dit, oh, quelle belle image. Quand on belle bagaille qui fait jeudi, pour nous gagner un crapaud qui a passé en l'air, qui a volé. Comment ça fait faire? Dis-moi, comment vous faites en l'air, un crapaud? Et puis, l'histoire dit que crapaud a quitté en l'air, qu'il a battu bravo pour un crapaud qui a passé en l'air avec un gros oiseau comme ça. Et puis, qui ça le fait? Au lieu que il rete doucement, il voulait prendre gloire pour lui-même, orgueil pour elle. Pride poil, arrogance poil, et puis il est ouvert bouche pour le dire c'est moi. Mais oublie, si c'est bouche qui te kembe bois, automatiquement ouvert bouche pour le dire c'est moi qui fait, qui vole, qui rive en l'air, c'est moi-même. Vous connaissez voir capo, it's me. Là, il est pour le dire it's me. Et bien voilà, il saute tombé. Automatiquement tombé, et ça fait on dit que. Depuis les sacs à pour pas gagner. Pour qu'on tout perdu gagner. Crapaud perdu. Non seulement tombé, les humilié parce que le Dieu a autant. Chrétien, je dis à moi, si le Seigneur a passé avant, s'il allait ensemble avec vous, s'il a privé ensemble avec vous, si vous faites des bagailles que crash pour pas qu'à faire. Faut dire c'est pas rien faire comme ça, c'est garder moi comme ça, c'est grâce bon Dieu qui sous moi. Et ça fait me chanter qui dit si ma vie frère moi, c'est grâce bon Dieu qui sous moi. C'est pas rien faire comme ça, c'est garder moi comme ça. Et là le Seigneur ma chance ma veille. Quoi? Pas douter, parce automatiquement douter, ou à faire fond. Oh alléluia. Mais ça me mène à bon Dieu. Lorsque vous faites fond, de vous relayer au secours, les papas ignorent, crient, et les papas disent, pour qui ça, vous retirez les yeux sous moi, pour qui ça, vous faites mauvaise décision ça, pour qui ça, vous faites mauvaise route ça. Non. Il est toujours son bon Dieu de la second chance. C'est un bon Dieu de deuxième chance que Dieu. Et automatiquement, Pierre était crié au secours. Il était couru, il était levé, mais il était logé, mais par Pierre. Et il était ramassé. Comme nous, le Seigneur, capable de ramasser, mais il faut aller au secours. Il faut crier à lui-même. Il faut retourner à lui-même. Il faut repentir à lui-même. Et il faut d'accord pour celui même qui secoue. Que bon Dieu est capable de comprendre que sans lui-même ou pas rien. Avec lui-même, on est capable de faire des exploits. Avec lui-même, on est capable d'écraser tout problème. On est capable de marcher sous les forces de la nature. Tout ça que la science dit pas à faire avec Jésus, on est capable de faire. Tout ça qui est impossible avec la science, est possible avec bon Dieu. Alléluia. Seulement, besoin de la foi, ou besoin de gagner l'humilité, ou besoin de quitter l'orgueil, quitter l'arrogance, quitter le péché, quitter tout ça qui n'est pas bon, et quitter Dieu sous bon Dieu. Ou même qui besoin enlever au dernier jour, ou même qui besoin faire l'échec pour être capable. Tendez. Et pour capable en mesure pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour capable enlever, oh, vous besoin léger. Oh, vous besoin gagner un cœur. Qui pas gagne orgueil, jalousie, rancune, qui pas gagne mauvaise envie, qui pas gagne adultère, qui pas gagne fornication, qui pas gagne idolâtrie là-dedans. Oh alléluia. Ou même qui besoin que ça, ou même qui besoin le Seigneur travaille cœur pour mettre la foi
l'humilité, la patience, la paix, la joie, la donner. Nous invitons encore pour capable faire bon Dieu et sauveur. Pendant que nous allons terminer, nous toujours bail chance, nous toujours bail possibilité, nous toujours créer occasion à tout le monde qui attendait nous pour capable bail vivre à le Seigneur. C'est une occasion qui offre à vous-même encore pour garder pour vous sous chita dans le là ou conseiller d'expérience ou pas de café. Si vous pas step up by faith, si vous pas fait un pas de la foi, même lorsque vous ne comprenez pas, donc faites bon Dieu confiance parce que c'est le Seigneur qui relève. Vous avez toujours été dans la situation pour hier. Comme nous voulons suspendre. Quoi est ce compréhension pas? Car il dit, confie-toi de tout ton cœur. En le Seigneur, suspend quoi n'a résolument pas. Ou demandez comment ça fait fait? Comment ça fait? Question ça au babou. Question qu'on a besoin de poser. Seigneur, vous faites ciel avec terre, ma foi confiance. Moi la gueule, vim, na mère. Moi, je fais confiance avec lui, moi. Comme elle a voulu faire, bon Dieu, confiance avec lui. Je dis, pour le mener. Pour le mener. Alléluia. Pour ne pas faire ça sans le Seigneur. Gloire à Jésus, bon Dieu fidèle. Il est capable. Il est capable. Yes, nous disons, il est capable. Il est capable de faire des exploits extraordinaires. Bagay que l'homme n'a jamais pensé qu'on est capable de faire. Bagay que connaissance n'a jamais capable de faire. Bagaille que la chose pas jamais capable de nous faire. Mais lui-même, elle parle et l'éternité envahie. Oh, gloire à Jésus. Si vous croyez que bon Dieu est capable de changer le temps et les circonstances pour vous-même, acceptez-le, je dis, et faites le Seigneur ou maître. Ou même qui avez accepté Jésus, vous avez besoin de gagner un temps intime et science avec lui. Vous avez besoin de gagner un temps à part pour servir lui. Vous avez besoin de croire dans lui-même. Vous avez besoin de laver péché à toute la guerre. Vous avez besoin de faire tout laver ou n'amener. Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur béni. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. C'est qu'il y a un monde qui t'a fait des messages ça et qui réalise que la science limite au là-dedans. Vous sentez que la vie a quitté derrière. C'est la main de Dieu qui est capable de faire qui change pour vous. Ou même qui sentit qui ne connaît si vous mourrez côté ou pour aller passer l'éternité. Connaissance pas capable de vous garantir ça. L'argent pas capable de vous garantir ça. Relation pas capable de vous garantir ça. C'est le monde qui est capable de bon, garantir côté que vous passer l'éternité, c'est Jésus. Parce que l'été dit, là, il prépare une place pour même avoir. Côté l'IA, c'est la vauvaille et tout. Je vous invite pour accepter Jésus. Afin que lorsque le bateau voulait couler, visa voulait faire fin à ce maverre, vous êtes capable de gagner un monde pour aider et qui est capable d'aider. Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, mon sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à l'eau de Dieu. Répétez ensemble avec vous-même qui t'a aimé accepter Jésus comme sauveur personnel. Pendant que vous dites, même j'avais chanté à tel que je suis, sans rien à moi. Je viens. Oh, je viens. Un sauveur qui ouvre là notre cas. Qui ouvre, qui tendait, et là, il paraît dans l'enjeu. Lors les faits faux, les problèmes de la vie, vous les passez en bas, il est capable de vous aller. Il est capable de marcher sous défi, marcher sous persécution, marcher sous maladie, marcher sous manque, marcher. Alléluia. Bon Dieu est capable de faire qui chante pour vous, je dis. Alléluia. Pas faire autre ça pour Kandou. Pas prendre décision pour Kandou. Vous avez besoin de Jésus sur votre place, ma mère. Par exemple, il y a un monde qui parle à Dieu, à Jésus, qui j'en regrette.
Pierre te fait monter confiance. Il te retire par la situation. Il te dit dans de l'air. Il y a un moment pour quitter toutes les amies derrière. Pour quitter tout le temps pour mon cap boit clair, mon cap fumé, mon cap moqué, mon cap perdit dans le monde. C'est le moment pour quitter le monde, quitter un bateau qui a coulé dans une épidémie. Chaque jour, des milliers de monde a couru. Vous ne pouvez pas arrêter dans le monde ça. Oh, on boit clair, arrêtez à te vider des garçons. Garçons à garçons, puis à ce moment-là, malédiction, mon Dieu, les deux sur eux, chaque corps dans le bateau là. Vini, le Seigneur a plongé mes barreaux, les papes qui t'ont fait fort, seulement qui tes yeux ont souri, moi je garantis que les papes qui t'ont fait fort, les papes qui tes pieds fait fort, les papes qui tes pieds roulé, mal des pieds de mettre la foi, ils ont dit Jésus sauvé, Jésus va toujours là pour loger mes barreaux, pour le capable de faire arriver. Jésus est arrivé ensemble avec Pierre, les papes qui t'ont roulé, mais à grand côté, il te dit que Pierre t'ont roulé. Ou même qui voulait faire mon Dieu confiance avec vie. Yes, il est capable de vivre à ce moment. Yes, retire corps la situation qu'on est là. Bateau va couler. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Réponds par la foi. Dis Seigneur, pas besoin de connaître. Puisque c'est vous-même qui dit mon avant. En avant et même dans la mer. Répétez à ce moment. Et répétez avec toute foi, avec tout cœur. Dis Seigneur, Jéhovah grand Dieu, maître, créateur de toutes les choses, éternel. Dis ça avec moi, éternel. Laisse-moi dire ça avec le créateur, éternel. Répétez avec moi. Au nom du sang versé de Jésus. C'est avec sans ça pour approcher. C'est les bois accès. Au nom du sang versé de Jésus. On reconnaît pas son péché. Il faut reconnaître ça. Déclarer qu'on reconnaît son péché. Qui a besoin d'un sauveur. Moi, besoin d'un sauveur. Alléluia. Venez dans le cœur. Ou même capteur de Bessal et ça. Dis Seigneur, venez dans le cœur. Venez dans le cœur. Moi, je vais accepter ou. Comme sauveur et maître, moi. Je veux remettre la vie aux mains. Je veux retirer confiance, moi. Sur tout le temps. Côté de mettre confiance, moi, avant. Je veux mettre confiance, moi, dans vous-même. Sans comprendre, par la foi, je veux remettre la vie dans ma mère. Et pour vivre ensemble avec. Écris l'homme dans le cahier ciel, là. Retirez l'homme dans le cahier condamnation. Dans le cahier qui prend périt dans l'enfer. Mais écrit dans le cahier de vie. Côté que je ne peux pas avoir pour l'état et pour l'éternité. Comme on a dit parole ça. Et se dire avec conviction. Nous ne pouvons pas garantir. Non, vous avez écrit dans le cahier ciel là. Même j'en ai fait là. Pour malfecter qui sous mes droites. Qui te seulement confesser le nom de Dieu. C'est confesser, confesser le nom de Dieu, on fait ça. Et comme ça, on va ouais. Oh, la vie, pas continuer de descendre encore. Parce que la vie, on a mal connu. L'été premier Pierre, Pierre va continuer de descendre encore. Pierre était fait. Dans tout problème, Pierre était fait. Pierre marchait sous l'eau. Il faut marcher sous problème, je dis. Ou même qu'il a gagné, on a mal le Seigneur. Alléluia. Il y avait la patience, ma voix, la prévenance, ma voix. C'est pour lui vivre ensemble avec nous. Mais nous, on a mal. Dis Seigneur, même dans la mer. On dit avec le Seigneur, même dans la mer. Je quitte même la mer, c'est pour m'arriver quand même. Quand t'as arrivé, il faut m'arriver. Quand t'as témoigné, il faut me témoigner. Quand t'as sauvé, il faut me sauver. Parce que je quitte j'aime sous et je quitte même la mer. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oh merci Seigneur. Nous sommes un jour cap réjouis pour décision ça qu'on prend. Au nom de Jésus. Et si on est en sud Florida, on est capable de brûler nous. On est capable d'enseigner davantage. Parole de Dieu. Et si on est loin. Capable de chercher l'église chrétienne pour adorer le Seigneur. Merci Seigneur pour bénédiction ça. Merci Seigneur pour parole qui parle. Grandis-nous dans la foi et fais-nous quitter Dieu nous fixer sur. Oh, dans une période difficile ça, fais-nous quitter Dieu nous sur, Seigneur, jusqu'à ce qu'on retourne pour dire non, bon et fidèle serviteur.
que la soif d'essayer, nous prions dans l'enfant de Jésus qui vient créer au sein de la terre. Là. Que grâce papa, comme il y a un petit là, sagesse cet esprit à demeurer dans chacun de nous, non seulement pour qu'on y pour demain, mais jusqu'au retour de l'éternité. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Bon Dieu, remercie. Nous remercions. And that's enough. God bless.